Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la première de la saison 2024-2025. Ça veut craquer, à coup sûr. Sanglier, un petit renard, mais que du sanglier, un peu de cervidé aussi. Je suis à côté d'un Parisien, un invité, première scène. Je vous laisse vivre la scène. Ah, pauvre ami, ça s'est mis à craquer, un premier petit sanglier sort, je le trouve un peu petit. C'est pour ça que je lui dis, peut-être tire pas, c'est pas sûr. Il le prend et il envoie deux ronflés, il le loupe, il était pourtant pas difficile à tirer. Le deuxième sort, ouh, je dis attends. Oh si, quand même, il est bon, je le prends. Bam ! Enlevé, moi il me faut pas 50 balles, moi une balle c'est réglé. Et là, quelques secondes plus tard, ça se met à ronfler, mais d'une force. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça, un ours? Ah, petit, regarde ça. C'est simple, j'ai 6 balles dans le chargeur. J'en avais tiré une juste avant, il m'en restait 5. Et là, la compagnie qui sort, je prends le premier. Bam ! Pleine éponge. Deuxième coup dans le hou. Là, perpète. Troisième coup. Pleine tête. Un tir majestueux. Et le dernier coup, loupé. Du dessus, pas facile. On continue avec ce petit renard. Là, mon gars. Monsieur Renard est arrivé doucement, j'ai attendu mon angle, tranquillement. Je le prends bien, bien en tir fichant. Il me voyait pas, hein. Quasiment invisible que j'étais. Hein. J'épaule. Là. Un saut, mon petit gars, est monté à 1m50 de haut. Il la prend là, dans la mâchoire. Il sera mort 80 mètres plus loin. On continue avec une scène incroyable. Un gros pépère sanglier. Je vous laisse vivre la scène. Regardez au loin là-bas dans la petite éclaircie. Yves, devant toi, Yves, devant toi, énorme, énorme. William, sur toi. Les gars, ouvrez les yeux, il est énorme, c'est un gros mâle, il est venu. Les chiens sont après un gros mâle armé énorme. Ben alors là, incroyable. J'en tremblais. Le machin, dégré, énorme. Au plus de 100 kilos, j'en étais sûr. Regardez, on le voit passer au loin, je vous mets le ralenti et je zoome. Il le voyait pas. Regardez, au moment où il le voit, tu parles, il y a quoi? Je sais même pas s'il y a 5 et 7 mètres. Il l'a pas vu. Alors après, on en a rigolé, mais sur le moment, j'étais fou. Incroyable, incroyable. Alors là, cette scène, on continue avec un petit rouquin qui saute la ligne. Bon, pas eu le temps de le tirer. Et puis, fin de journée, j'ai dit, bon, allez, c'est bon. On va le laisser passer. Il m'a un peu surpris en plus. Et on termine déjà plus de 4 minutes 30 de vidéo avec des cervidés. La première fois que je tire des cervidés, là, ça craquait. Enfin, pas trop quand même. Une biche et son fan qu'arrive. Je me suis dit au début, ils vont pas être dans mon angle. Je me rends compte que mon voisin les a absolument pas vus. On a autorisation de tirer le fan. Je dis, bougez pas. Tu vas voir ce qui va se passer. J'épaule le fan. C'est simple. J'ai mon angle, on voit mon petit piquet orange en bas, j'ai que mon angle, ce qui veut dire que j'ai 45 mètres là, en distance, 45 mètres, pour tirer le fan, voilà, je pouvais pas tirer plus loin.
C'est vraiment le maximum et puis on tire pas trop loin dans cette chasse en plus. Je le loupe apparemment. C'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Désolé pour mon inactivité, mais ça revient. J'ai commencé la chasse cette année au 15 novembre. Là, je reprends. Ça va ronfler, je peux vous le garantir.